Attendez, 30 secondes. Le temps que Chewbacca lance. Vite fait, j'arrive. Comme ça, après, je vous balance le raid. Alors, on réactive. Bien. Eh bien, bonjour ou bonsoir à toutes et à tous. Ici Wookie88 pour YouTube et Dr Chewie, Mr Wookie pour Twitch. Dr Chewie pour vous servir. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Bon, moi ça va. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 5, 6, j'en sais rien, de House Flipper. Aujourd'hui, on va faire la maison que j'ai achetée, je pense. Histoire de refaire un peu, de remonter un peu en monnaie. Donc voilà. Alors, voyons voir. Ah oui, j'avais fait ma maison aussi. J'avais fini ma baraque. Bon, ça marche la manette là ou bien? Ok. Ah, ça y est. J'ai remis quelques mods et j'en ai enlevé. Et coucou. Ah, mon machin il est encore buggy. merci pour le raid, Feno. Quoi, ah. Quoi. Hey, mais pourquoi j'ai tous mes bordels qui bug là? C'est quoi cette espèce de guignol là qui saute là? Pas normal. Bah de rien, bah je t'en prie, hein. Donc bah installez-vous, profitez. Bon, je sais pas si vous si votre style un peu ou super, mais bon. Y'a pas de soucis, Feno, bah merci pour le lurk, hein. Que la maison que j'ai acheté dernièrement, qui était une épave. Ah, il y a une saleté qui est dans la... J'ai une saleté là. D'accord. Je crois que c'est par dehors. Ouais, je crois que c'est par dehors. Voilà. C'est bon. Pourquoi que j'ai pas mon zoom qui fonctionne. Bon, bref. Hein? Alors, attends, voyons voir les commandes. Paramètres. Commandes. Zoom avance à minima. Ah oui, c'est clavier numérique plus. Bon. Ah
Ah oui, ça y est, c'est bon, ça fonctionne. Ok. Oh mince. ta commande marche pas? Bah, normalement si. Bah mince alors. Ah. Effectivement, Attends, c'est sûrement mon white spot qui a déconné. Attends, je vais le réactiver, le truc. Ah merde alors, je vois que j'ai mes commandes qui marchent plus. Oui, rip. Bah oui, cela il fonctionne. Mais j'ai l'impression que les commandes classiques, elles ne marchent plus. Ah. Qu'est-ce que c'est de ce bordel encore? Bon bah j'en sais rien, il y a... Ah attends, il y a un truc là. Ah oui non, c'est normal. Nous venons de voir tous nos comptes Twitch bannis. Wisebot et Kicketbot. En plus de certains comptes de l'équipe. La raison étant la même que les dernières fois, à savoir compte automatisé ou utilisation de bots. Nous faisons tout pour rétablir tout en vitesse. Ouais, donc c'est parce que j'ai le wastebot, il y a un bug de leur côté. Ouais, bon, ça va être revenu assez vite, je pense. Alors, on va, comme j'ai dit, donc s'occuper de la maison que j'ai achetée. Posséder. Ça, c'est ma maison. Hop. Voilà, on va aller faire cette maison. Ah d'accord, bah c'est pour ça, alors que j'ai plus de... Putain, s'ennui, travail. Ça marche. Hop. Interaction. Attends. Je la circule. C'est comme j'ai plein de modes actifs. Travailler. Bon, ma cocotte, tu décides, faudrait que je fasse un tri dans mes modes là parce que j'en ai trop qui sont un peu buggés. Just say.
Hop, voilà. C'est bon. Oui, bon, ça reviendra, va, t'inquiète. Bon, on va couper l'herbe. L'herbe, d'accord. L'herbe. À la... Voilà. Ça ira plus vite pour couper l'herbe. Ça va plus vite pour couper l'herbe, non? Je vais juste couper l'herbe au lance-flamme devant et puis le contour de la maison. Parce que bon, vu le prix des bidons d'essence, Et pourquoi qu'il veut plus se poser mon machin là? D'accord, faut le poser à l'intérieur. Voilà. Déjà? Bah pourquoi que je peux pas tondre l'herbe? Ah, à mon avis c'est parce que j'ai pas le... Je crois que j'ai pas le... C'est parce que j'ai pas le mode. Enfin le DLC. Pas le DLC donc j'ai pas la tondeuse, à moins que je l'ai pas encore déverrouillé. Ouais, ça coûte, ça se bouffe vite hein, la réserve. Hein. Ah, ça commence avec des musiques de merde. Bon, mais... À mon avis, il va m'en falloir 4, je pense, pour virer toute l'herbe. Unidentified ghost apparaît. Random ghost Pokémon. Hop.
Oui, bah quel désordre, je suis en train de faire l'extérieur pour le moment, donc hein, bon. Bah, à défaut de pas avoir de tondeuse, hein, on fait à la manière qu'on peut, hein. Ah non, mais sérieux? Il manque si peu de carburant. Bon, hop, là. Voilà. On a nettoyé toute l'herbe. Voilà. Ok, shop. Non, c'est pas la bonne expression. Darky, dans le pire des cas, tu peux aller voir dans l'application sous mon live. T'as le Pokémon Community Game et t'as le shop. Et tu pourras directement acheter en 5, enfin 1, 5, 10 ou 20. Et au moins tu verras l'argent que t'as et tout ça. Alors, bon, on nettoie tout. Oh, ça dégueulasse, ça dégueulasse, on vend tout, tout va dégager. Pour le moment, ils sont tous pas contents parce qu'il n'y a rien dans la maison. Voilà. Là. Voilà. Alors, bon, faut peut-être vous remettre une porte, hein, de préférence, hein, ça serait peut-être le mieux. Non. Alors, voyons voir. Voilà. Voilà, nickel. Bon, maintenant on va nettoyer l'extérieur. Thank you.
Voilà. Alors, normalement, tout est propre dedans. Ah non, pas tout à fait dedans. Mais dehors, tout est propre. Ouais, donc il reste 4 saletés. Faudra que je mette la même couleur que la poque à l'extérieur. Parce que... Ah, Brutti, je l'ai mis à l'envers. J'ai mis la porte à l'envers. Bon, bah, faut vendre la porte, hein. Je l'ai mis à l'envers. Ah, alors, ménage. Jeter la poubelle à portée. Voir toutes les salissures. Voilà. Ah, voilà. Là, elle est à l'endroit. Oui, voilà, elle est à l'endroit là. Ok. Alors, alors, pour la salle à manger, pour la pièce là, la pièce principale, donc salon salle à manger. On met quel sol qu'on met? Est-ce qu'on met du carrelage ou des lattes? Et au mur, est-ce qu'on met de la peinture ou du papier peint? Des radiateurs déjà. Pourquoi que je peux pas le mettre? Ah voilà. Ici, il faut un radiateur de salle de bain. Bah non, on peut mettre qu'un radiateur classique. Hein, qu'est-ce qu'on met dans la salle à manger comme, comme sol? On peut mettre du carrelage, des panneaux de sol ou du revêtement. Les revêtements, c'est tout ce qui est moquette. Les panneaux de sol, bah, c'est du plancher, on va dire. Et le carrelage, bah c'est du carrelage. Hein. On met quoi? Y a plus personne? Ah ok. Bah je vais le faire moi-même alors. Ça j'ai bien envie de le mettre dans la salle de bain ce truc. Mmh.
Je pense que je vais mettre des carreaux dans toute la maison. Ça pour la cuisine. Et ici. Si, on va mettre de la moquette, tiens. J'en mets pas souvent de la moquette. Bon, on va mettre celle-là. Hop, voilà. Bon, elle est pas super la moquette, mais on s'en fout. Au mur, panneau, sol et plafond. Sol et plafond. Dans les murs, papier peint. On va déjà en mettre 45. Je pense qu'il m'en faut encore au moins deux paquets. Voilà. Hop. On revend le reste. Alors, on va déjà nettoyer les fenêtres. Et mettre de la lumière parce qu'il commence à faire nuit. Et c'est chiant à bosser dans... Bon, je pourrais mettre la loupiote, la lampe frontale, mais bon. Un Pokémon inconnu. Bah ça sert à mon avis. Viens ce qu'on se fait si on check. D'accord, inconnu. Bon, on tente la capture aussi. De toute manière, il m'en faut encore, je crois, 5. Voilà, les fenêtres sont nettoyées. Alors si j'en ai des fenêtres, je vais regarder. Ah oui, j'en ai des fenêtres. Ça donne ça. Ah, ouais, pourquoi pas. Ouais, pourquoi pas pour remplacer peut-être une petite fenêtre. Ouais. Hop.
on va mettre 2. Voilà. Elles sont teintées ou elles sont dégueulasses? Ah, GG pour la capture du bestiau. C'est donc, moi j'ai eu un Nidoran femelle en Pokémon. Et toi, Darky, t'as eu quoi comme Pokémon? Bon, je pense que ça doit être aussi un Nidoran femelle. J'aurais peut-être dû mettre autre chose comme rideau. Je suis convaincu. Mais bon. On va virer les petites fenêtres là aussi, ça fait moche. Oui, non, mais je veux dire le Pokémon que tu viens d'attraper à l'instant. Pour y mettre ceux-là. Okay. Ah, Nidoran aussi, ouais. Ouais, c'est ce que je pensais. Oh, les musiques de merde là, ça va bon, là. Oh là là là. Oh, qu'est-ce que je déteste ce genre de musique. Moi j'appelle pas ça de la musique, j'appelle ça de la gueulerie, oui. Alors, là, il faut un petit rideau. On va mettre un store. D'accord, il n'y a pas de place pour le mettre. Ok. Ah, c'est un peu... Je pensais pas que ça allait être aussi compliqué, les petites... Non, c'est trop gros. D'accord, rideau large, ça passe pas. Rideau étroit, ça ne passe pas. Ok. Bah, si ça passe pas, hein, on va... la fenêtre hein. Voilà, il y a deux fenêtres dans la salle de bain. Là il y a deux fenêtres aussi. Mais on va déjà mettre des lumières parce que éclairage. On va mettre des classiques en interrupteur.
il n'y avait pas d'interrupteur ici. Ok. Là, nickel. Maintenant, éclairage. Donc, néon pour la cuisine. Là. Ici, on va mettre deux lustres. On va mettre des plafonniers, tiens. Là. Et à la salle de bain. Lampe murale. Voilà. Ok. Ici. Ah, vache, ça éclaire bien ici. Ici, ça va, ça éclaire bien aussi. Donc. Porte. Porte, porte. Mettre celle-là pour la cuisine. Un morceau de mur à dégager avant. Là. Hop, nickel. Salle de bain. On va mettre une porte comment ah, je pense une porte assez... non, pas une transparente. On va mettre une porte en acajou. Voilà. Nickel. Alors, pour le mur. Mettre du foncé. Mais la ferme les piafs.
Un. Voilà. Hop. Ah, on dirait que ça fonctionne. T'es toujours là, Nia? S'il y a quelqu'un, il peut tester un son, ce live, s'il vous plaît. Alors, ça c'est quoi? Un évier, un toilette et un lave-linge. Essaye voir ton son. Hein? Un lave-linge. Voilà, essaye voir ton son. Je crois que ça fonctionne. Ouais, ça fonctionne. Ouais, parce que j'ai vu que Kicketbot venait d'apparaître en me disant que le live est online. Donc ça veut dire que le truc était revenu en place. Ça marche. On va mettre un beau toilette dégueulasse. Le toilette que j'adore mettre. On va déjà mettre un porte-PQ, hein, de préférence. Un machin inconnu apparaît encore. Random, donc on peut utiliser n'importe quel ball. Le porte-PQ, on va le déplacer. On va installer un évier. Quel genre d'évier on va mettre? Oh tiens, pour changer, on va mettre un beau évier. C'est pas un évier de salle de bain, ça. Ah non, c'est pas un évier de salle de bain. Oui, mais bon, s'ils mettent évier pour moi, les trucs qu'on met dans la salle de bain, c'est des lavabos.
C'est pas des éviers, hein. Voilà, ça c'est un évier. Pour moi, ça c'est pas un évier, c'est un lavabo ce truc. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais bon. Pour moi, salle de bain égale lavabo, cuisine égale évier. De quoi? Tu vas me tuer, j'en suis sûr. Pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce que t'as fait comme bêtise encore? Vas-y, accouche. D'accord. C'est une douche de coin qu'il faut. Allez, bah, je veux bien, Céline Douche. Bah, j'ai partagé à ma maman adorée. Partagé quoi? Bon, bah bizarre la douche, mais bon. Ah, ma chaîne. Oh, bah y a pas de soucis, hein. Je vois que je devrais te tuer pour ça. Alors, il me faut un miroir. Ça s'écrit comme ça, non? Ah non, il y a qu'un seul air. Non, celui-là ça va pas aller. J'ai pas assez là, j'ai pas la place pour mettre celui-là. Miroir ancien. Ah voilà. Nickel, comme ça rajoute une loupiote. On va mettre une petite étagère. Mais souvent la même maintenant, j'ai remarqué dans les salles de bain. Mais souvent celle-là maintenant. Je trouve que c'est plus sympa parce qu'on peut mettre plus de trucs dessus. Du papier toilette. Serviette. Thank you.
D'accord, je peux pas les mettre là. Meuble pour mettre là pour je vais regarder ce qu'il y a en, en autre étagère qu'il y avait des petites étagères comme ça par contre. Brosse à dents. Voilà. Des brosses à water. Brosse à chiottes. Des brosses de nettoyage de coiffage. Il n'y a pas un paquet de 2 des fois. Non, il n'y a que des paquets de 1. Bon, hop. Un et un petit peigne. Hop. Voilà. Bon bah elle me paraît finie là, la salle de bain, non? Je reviens, je vais faire un tour au 3x14x2. On a pris mon café, il est froid. Right.
Salut Dess! Ah bon, pourquoi Ah, parce que t'as retrouvé tes connexions, ton jeu. Voilà, bon, une pièce de fini. Ensuite, la cuisine. Alors, il faut... Il ne voulait plus se lancer... Ah oui, ouais, d'accord. Ah bah, c'est cool. Bah, moi, il y avait Kiketbot qui était en PLS, là. Alors, cuisine, voyons voir. Préparez vos bowls. Meubles de cuisine, cuisine avec tiroir. Meubles de cuisine d'angle. Il faut que je remette tous les modes. Ah bah ça oui. Bah normalement non. T'as juste théoriquement à reconnecter ton adresse mail, revalider le truc et un fourbelin sauvage apparaît. Ah oui oui t'as pas. Bah non normalement. Il y a juste à remettre l'adresse mail et réactiver tout d'un coup théoriquement. Bon, ma cocotte, tu dégages. J'avais oublié comme quoi t'étais casse-pied à ce point. Ah, j'ai mal mis. Ah bon, bah d'accord, on remarque, hein, c'est généralement les trucs comme ça, c'est une occasion pour faire du tri dans les modes, hein. Ah, il me faudrait un meuble double. Le code à remettre. Oui, d'accord, ouais, c'est ça. Il me faudrait un meuble double, j'ai dit un meuble à évier, pardon. Meuble de cuisine avec évier. Et un meuble double. Ah, crotte.
Meubles de cuisine de porte. Ah mais ça va me laisser un trou là. On va mettre un fridge. Une hotte. Mais pourquoi que ça me... Ah mais j'ai pu écrire moi. Mettre la haute. Alors, réfrigérateur. Il faut un gros réfrigérateur à la mamie. Ouf. Peut-être pas aussi gros. C'est du classique qu'il me faut parce que là c'est vraiment trop gros hein. Ben ça c'est noche, c'est moche, c'est tout petit. Bon je vais bien en trouver un à force hein. Snowdift, voilà des classiques. Alors, il me faudrait une plaque qu'on va mettre sous les fenêtres là. Hop, plaque de cuisson. On va même en mettre deux. Là. Évier, plaque de cuisson. Le classique, micro-ondes. Ça me plaît pas les plaques là. On va mettre autre chose. Voilà. Ouais, ça sera un peu mieux. Je viens de voir un mode que j'avais installé. On va le mettre. Non mais sérieux, ne me dis pas que c'est encore un machin qu'on peut mettre qu'à l'intérieur. Je ne peux pas laisser ça dehors. Non mais sérieux, c'est un barbecue, ça se met pas dedans. Allez, les modes, par contre les modes house slipper, c'est de la grosse daube. Hein. Les gars, ils font n'importe quoi. Ah, je ne peux pas laisser ça dehors. Non mais t'es sérieux quoi. Je vais rentrer et puis ça va vouloir se mettre. Bon, y a pas assez de place. Mais ça c'est un barbecue extérieur. Ça se met pas d'eau, ça se met pas de dedans. Bon, buffet. Bon bah ça sera un autre mode à dégager, hein, c'est tout hein. Oh.
Non mais y a même pas de buffet de cuisine, non mais sérieux. Bon, puis les musiques de merde là. Hop. D'accord, c'est un peu gros. Donc il faudrait que je vire le petit meuble là. Ah, c'est un gros meuble. Oui, mais c'est un deux portes, ça. C'est une porte et demie. C'est pas un couloir, c'est une cuisine, abruti. Contre là, la fenêtre, elle me gêne. Un meuble de cuisine de coin d'angle, mais très bien l'autre angle. Un meuble de cuisine et angle, non, j'ai pas de petit meuble d'angle. Ouais, je suis pas trop inspiré pour la petite baraque là. Ouais, t'as un meuble de cuisine de porte, hein. D'accord. T'as pas assez de place pour le mettre. C'est quoi le creeper là? C'est censé me faire peur? Il faut faire ça alors. Faire quoi alors? J'ai pas capté là. Je peux pas le poser à cause du fait là. Pas collé au mur, pas collé non plus là. Ah voilà. Un creeper dans la maison. Ah oui d'accord, je viens de capter le truc, oui. Non peut-être pas quoi. Peut-être pas quand même. Oh,
faut peut-être des petits meubles, parce que comme j'ai tout viré. Meubles avec tiroirs. Death, toi, t'as la possibilité de rajouter des sons sur le sound d'alerte ou pas? Comme je t'ai collé en... Ah non, je sais pas si t'es en cofondateur de la chaîne. Ah bah non, non, je te l'ai pas mis. Faudra que j'en mette d'autres sons. Hmm. Hop, voilà. Ah, il est pas droit le meuble. Ils sont pas contre le mur. Mais pourquoi que je peux pas le coller? Voilà. Là, nickel. Là. Et un abo sauvage apparaît. Il n'est absolument utile dans aucune des quêtes. Bon bah la cuisine elle me paraît pas trop mal. On va mettre une petite poubelle. Et ce sera bon. Alors, on met quoi ici au mur, Death? Des carrelages, des panneaux, du papier peint, de la peinture. Papier peint en poil de Wookie. Alors, du papier peint en poil de Wookie. J'ai pas de papier peint en poil. Non, j'ai pas de papier peint en poil. On va mettre du comme ça. 1, 2, 3, 4. 5. Bon, je pense qu'il y en a peut-être un tout petit peu trop.
en faut encore au moins deux paquets. Au moins. On prend trois comme ça, au moins on sera sûr. C'est pas assez. T'es sérieux, il m'en manque juste un. 3 ou 4, pas plus. Hortel. Hortel te merde. Mais bon, tout est placé. Hop. Voilà. Alors, il me faut bon, pour cette pièce, c'est peu, c'est court, donc il faut au minimum donc un canapé déjà. Mais le problème avec les rideaux, je crois que je vais pas pouvoir mettre de canapé comme il faut. Pas vraiment mettre de canapé comme j'ai envie. C'est quel module qu'il faut pour les cargaisons surdimensionnées? Les cargaisons surdimensionnées, c'est 4 que ça prend de place. Ouais, bah oui. Donc, autrement, pour les modules avec plusieurs machins. Je sais plus c'est lequel, je crois que c'est le IR ou Senec. Je crois que ça s'écrit comme ça, mais je suis pas sûr. Sinon, il y a, c'est les add-on for all trucks ou un truc dans le genre. Je sais plus exactement. Je peux pas le mettre à cause de... D'accord, le mec il dit tous mes documents ne rentreront pas ici. Maintenant il devrait y avoir assez de place pour mes livres. Donc il y en a un qui est content mais pas l'autre. Module haut ou basse Q du T800. Ben, pour une remorque de 4, ça dépend. Bon, c'est le mieux un attelage bas. Puisque t'as les remorques de 5.
Donc c'est le mieux, t'as plus de choix avec l'attelage bas que l'attelage haut. Voilà une table. Ah oui, mais non, pas une petite, pas une table comme ça. Une vraie table. Non, ça c'est une table basse. Voilà une vraie table. Chaise. Est-ce que j'ai des chaises lim? Claire Lima. Non, pas de. Pas de chaise lim. Oui mais non. Des vraies chaises adultes de préférence. T'as des chaises de gosse ça. Je veux des vraies chaises. Pas difficile si. Bah ça c'est dégueulasse. Ah voilà des vraies chaises. C'est même pas une vraie table que j'ai mis, c'est une table une personne. On prend au moins deux des chaises, donc pour une table qui soit plus grosse que ça. Voilà, une vraie table au moins. Par contre, je suis pas convaincu par la moquette, là, elle me dérange. Mettre une autre moquette. Du lino, tiens. Ah voilà, c'est déjà mieux. Une télé, on va la mettre... Bah, on va le mettre là, la télé au champ. D'accord, oui, c'est vrai. C'est pas des télés, c'est des écrans. Ouais,
pas une télé, mais bon, on s'en fout. Hop. Ouais, c'est bon, la maison est finie là. J'ai plus de... D'avoir, il n'y a pas d'endroit où ranger mes livres, l'endroit où j'étudie doit se trouver là, à côté de là où je dors. Ah merde, oui, il n'y a pas de chambre. Oh bah tant pis, hein. Vendre aux enchères. D'accord, c'est la famille Martin qui est le plus intéressé. Alors, il faudrait des plantes, de la décoration à mur. Oui. Oui, je me suis trompé. Donc, des murs. Bon, on va mettre un tableau. Oui, je me suis trompé, c'était au niveau acheteur qu'il fallait que je regarde. Préparez vos bols. C'est un sapro qui apparaît. Là, on va mettre quelques petites plantes ici. Faudrait une petite une étagère ici pour mettre du thym et tout ça. Voilà. Maintenant, hop, du thym. Basilic. Voilà. Nickel. Là-dessus, on va mettre quoi? Là, on met un peu de persil et tout ça. Voilà, nickel. Hop.
Hein? Là. J'avais vu des dessous de plats, enfin des dessous d'assiettes là. Dessous de verre, non. Un peu dommage qu'il n'y ait pas de place pour nos livres ici. C'est mieux vite, c'est déprimant. Nous préférerions avoir un salon. Ah, d'accord. Bon, bah, c'est bon. Hein. On remet la vente aux enchères. Voilà. Hop, vendre à la maison. Normalement, c'est le couple qui le couple de personnes âgées qui va être le plus intéressé. Bah, le sol est si vide. Juste comme il faut. Là, je n'ai qu'un chiffre. Vivez votre vie à fond, quel que soit votre âge. Celle-là. Hop. On va voir s'il y a une autre maison à racheter, que j'aurai plus de... Maison douillette est entièrement meublée, la décoration de Noël sont inclus. À quoi ça sert? Ça me paraît bizarre qu'elle soit si peu chère. Enfin, qu'elle soit vendue alors qu'elle est meublée. Un logement confortable où rien n'est en désordre. Les meubles des années 90, 30 mètres, c'est une atmosphère plutôt normale. Ouais, bof. Cher par contre les autres maisons hein. Au moment faut peut-être taper dans les plus petites. Ouais, mais bon elle est vachement petite quoi hein. Bon on va l'acheter. Hop. Oula vache. Ah oui elle a elle a un peu morflé. Ah, salut Dory. Ah bah, il n'y a pas de souci. Hein. Je suis pas sûr du snow, par contre. Hein. Oh la vache. Bah, c'est cool, ça va me faire des points pour la décoration extérieure.
va déjà faire ça. Déjà le nettoyage du contour. Quand j'aurai la possibilité de tondre l'herbe. Mais je pense que c'est parce que j'ai pas le DLC pour tondre l'herbe. Et ça m'emmerde. C'est le cas de le dire. Mais bon, tant pis. Hein. On va faire comme on va déjà la nettoyer. Et non, quoi de beau, Dory, que la dernière fois. Rien de spécial, la routine. Ah bah... Bon bah moi ça va, Ça va. Bon, on va dire, faut quand même remettre une porte, hein. On va faire un peu du style, le style bizarre, là. Maison, ça sera en style un peu futuriste dans le sens comme ça. Ah, il y a la haute avant là aussi. Hop.
Là, bon, y a un truc que j'ai oublié dehors. Voilà. Voilà. Alors, ici, ce sera quoi? Pièce de 13 mètres carrés. Pièce de 13 mètres carrés. Pièce de 6 mètres carrés. Salle de bain. Préparez vos boules. Un Pokémon va apparaître. Et c'est un inconnu qui apparaît. Un Pokémon random. Enfin, un spectre random. Donc ça, salle de bain. Ça, c'est la cuisine. Donc on va déjà refaire tous les carrelages. Sol. Ça c'est dans quel truc, Shinji? Bon, ça c'est un paillasson d'un peu style. Hop. D'accord, il y a un clown dedans. Ah, j'ai attrapé, c'est quoi donc? C'est un Fantominus. Ok. Et le précédent, c'était un fourbelin. Je cherche un peu à essayer de faire le style complet. Bon, je pense que pour les papiers peints, on fera les trucs ruches, motifs, tout ça. On
Ouais, bon, je vais continuer avec la ruche. On fait encore deux paquets. Non mais sérieux, il m'en manque combien là? 1, 2, 3, 6. J'aurais bien voulu mettre le style là pour l'extérieur là, le papier peint date Jackie, mais bon. J'ai pas de couleur spécifique que je voudrais mettre dehors. Peut-être mettre du revêtement de pierre naturelle. Là, il va m'en falloir énormément. Hein. Ce serait peut-être mieux plutôt de mettre de... Si, à la rigueur, sur la façade. Ouais, sur la façade, du revêtement de pierre naturelle. Bon, ça va revenir cher hein, pour faire tout le tour de la maison. Va me falloir au moins 10 paquets, 15 paquets. 1500 balles de décoration extérieure. Ouais, non, on va y aller à la peinture. On va mettre de la peinture parce que. Ouais, un rouge vif. Bon, je sais pas si on aura si c'est trop de rouleaux, enfin de bas. Avec un rouleau, je fais 10, enfin,
Un rouleau chargé, je fais 10 couleurs. Ouais, en fait, j'aurais dû peut-être pas prendre de gros pas. Oui, mais bon, s'il y aurait au moins des explications que un pot fait tant de mètres carrés, ça m'arrangerait, mais bon. Mais je m'en fous du mur trop haut là, c'est pas ça que je veux faire. C'était au-dessus de mes fenêtres que je faisais là. Aïe. Ouais, bon, en fait, à un pot, c'était largement suffisant. Ouais, j'ai peint l'intérieur. C'est énervant parce qu'il faut acheter un échafaudage, enfin une échelle pour faire deux trucs. Elle sert qu'une ou deux fois la machine. Voilà, une fois. Et deux fois, voilà, elle sert plus à rien. Je
Non, c'est là que j'ai peinturé en rouge, bon, c'est pas grave. Ah, un caravana vient d'apparaître. Voilà. Ah, je suis pas convaincu avec le avec l'entrée là. Bon, déjà il me faudrait des lumières. C'est le principal parce que je vois rien. Le kiki. L'interrupteur, il est un peu bloqué là. On va en réinstaller un. Voilà. Bah ça va, merci. Alors là, c'est... Ah oui, il faut réparer toutes les prises aussi, j'ai oublié. Là, voilà, il manque un radiateur. Une prise, pardon. Thank you.
Et toi, Kiki, comment ça va? Ici, ça sera donc la cuisine. On va mettre un plafonnier. Oui, un plafonnier, oui. Ah bah c'est nickel alors. Ah, on va mettre voilà. Ah, ici, donc ça sera une chambre. On va mettre des lumières un peu plus douces. Voilà. Donc, cuisine. Mur. Carreaux muraux. Bon, 3, je sais pas si ça sera assez. Bon, musique de merde là, ça dégage. Ah purée, on est mis à l'extérieur. Ah puis je prends pas les bons. On souhaite la salle de bain. Bon, on va mettre du carrelage, hein, bien entendu, hein, pour la salle de bain. Mur, panneau bureau, carrelage mural.
s'en fout un peu dans un sens puisqu'il va ouvrir la porte. Carrelage ici, il l'a déjà fait. Ça, c'est du carrelage, donc cuisine. La cuisine. Sol. Carrelage sur les plafonds. Là. On va mettre de la moquette. Là, et donc ici pour la chambre, on va mettre aussi encore de la moquette. Donc j'ai autre chose, revêtement, panneaux sol et plafond. Bon, on va mettre du... Hop, voilà. Et pour le mur, on va mettre ta couleur, la peinture, on va dire de la peinture douce. Sol, les plafonds. Mur, peinture. Gros tas de morts sauvages apparaît. Fait partie des quêtes du week-end, enfin de la semaine, en stat.
Voilà. Bon, même ça sert à rien. Voilà. Même ça sert à rien, c'est pas trop grave. Hop, voilà. Nickel. Non, on prend pas le lance-lame. Donc là, ce sera la chambre. Donc, on va mettre une porte. J'avais vu tout à l'heure porte de chambre, non? Alors, là, attends, il y a déjà une porte de salle de bain. Non, ouais, c'est con qu'on peut pas juste la redéplacer une fois qu'on l'a placé. Ça qui casse pied. Donc cuisine. Voilà. On va mettre les radiateurs. Oh, c'est un grand ça, non? Ouais, c'est un grand. C'est rare que j'en mette. Petit, hein, Ah, Utena a faim. Je crois que ce qu'elle a mangé tout seul tout à l'heure, mais je vais lui donner. Ah oui, elle a un peu faim, effectivement. Bien vu, Kiki. On va lui donner quoi à bouffer? Oh, tiens, une choucroute. Et à boire. De l'eau distillée. Ah oui, d'accord. Eau électrolyte. Électrolytique. Ok, on va lui donner un petit cocktail. Voilà. Comme ça, notre petite Utena, elle va rouler sous la table. Ah, portail de merde. J'ai débordé ici. La musique de merde là, j'en veux pas. Bon, je vais changer parce qu'il y en a trop. Moi j'ai mis le chat sur mon écran. Ah oui, oh, pff, je le trouve moins bien le pancake au final. Bon, je pourrais l'activer en même temps que Utena, hein. Maintenant on peut en mettre deux d'un coup. Mais bon.
Ouais, on pourra en mettre deux d'un coup, mais bon, je n'en mets, je mets pas. Alors, un petit radiateur. Je le trouve pas tellement intéressant, moi, comme je te dis. En plus, il garde exactement le même prénom que qu'on lui donne, qu'on donne de base à la bestiole. Gauche. Évier. Shot. Bon, on va mettre un radiateur ici. Ah oui, c'est vrai, il me faut peut-être que j'installe déjà un truc à radiateur. Installation, chauffage. Installer. Système de plomberie de radiateur. Hop, voilà. Alors la douche, c'est vrai, elles sont longues à monter, les douches là. Ça va pas être l'idéal avec les chiottes là. On va mettre les chiottes ici et l'évier là. Non, ça va pas aller là. Faut que je mette une plus petite douche au final. Je sais pas pour où qui rentre dans la douche là, mais bon. Toilette. Un évier.
Ah bah je peux pas mettre celui-là. Hein. On va mettre un classique, hein, puis c'est tout. Là, il y a un miroir au-dessus de la du machin. Hop. Dommage que j'ai pas une option salle de bain, parce qu'il y a des meubles que je voudrais mettre, mais je ne connais pas les noms. Il faut que j'aille dans le mobilier, mais bon. Ça, toi, la commode est toute petite, là, la machine. Ah, d'accord, je crois, hein, d'accord. D'accord, j'ai compris le truc. Faut aller dans mobilier et après salle de bain. Sur pied. D'accord. Ok, ok, ok. J'ai rien dit. Voilà, tout est fait. Extérieur, c'est repeint. La salle de bain, elle est faite. Et un Vasilis apparaît, quête du week-end, enfin de la semaine. Ok, ok. Bon, bah, je pense qu'on va se stopper là pour le moment. On a bien avancé. On a fait une maison, plus celle-là. Je vais préparer. Je vais accepter un chantier en espérant trouver un chantier extérieur pour débloquer la tondeuse. Enfin, en espérant que c'est pas vrai. C'est pas du tout un DLC, quoi. Que je vais pouvoir l'avoir, parce que si je n'ai pas le DLC, ben ça sert à rien de vérifier les quêtes. Hein. Ouais, à mon avis, il n'y a pas. Hein. Salle de bain, nettoyage de la maison kitsch. Maison à rénover, peinture de la maison, nettoyage de garage. Ouais, à mon avis, je l'ai pas. Hein.
Alors, voyons voir. Oh la vache. Oh la vache. Oh, elle est dégueulasse, la baraque. Help, elle est dégueulasse. Le Pokémon s'est échappé. Ah, tiens, ça fait longtemps que j'ai pu été le voir. Bien. Donc bah voilà une bonne chose de faite. Il est l'heure de se dire au revoir. C'était Dr Chewie et Mr Wookie ainsi que Wookie 88. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, vous abonner, le pouce, la cloche, enfin vous connaissez la chanson. Ou à me rejoindre sur Discord et Twitch. Les liens sont dans la description. Sur ce, le Dr Chewie vous dit à ciao babouille, bisous.